Bonjour à tous, donc Diane, opticienne. Aujourd'hui, je vais vous montrer des modèles plutôt hommes, voire aussi mixtes, avec quelques petits conseils. Alors, une monture, un modèle acétate. Donc, vous avez un petit peu de dynamisme au niveau de la branche et du tenon, donc cette partie-ci. Et c'est une monture qui est noire, mais avec de la profondeur. Vous apercevez, voyez, c'est pas du noir complètement opaque. Donc pour les messieurs qui ont des grands sourcils, donc ici qui sont avec des sourcils très présents, je vous conseille de ne pas prendre une monture qui fait le monosourcil, donc plutôt avec un pont décentré comme ça. La suivante, donc vous percevez ici, elle a différents coloris et elle a la touche dynamique sur le dessus. Donc ça va être simplement quand vous allez tourner la tête qu'on va l'apercevoir, et ça reste très sobre, mais par contre ça peut faire ressortir votre regard et avoir un petit point de modernité. Donc là où je vous parlais justement d'un sourcil qui est très très fourni, évitez une monture très droite comme ça ou vraiment coupée avec une petite couleur ainsi. Par contre, ça correspond aux sourcils qui sont relativement bas, puisque vous voyez, mon œil se retrouve un petit peu là-haut. Ça évite d'avoir le sourcil qui va dans la monture. Si les petites vidéos comme ça avec les conseils et les nouvelles montures vous plaisent, mettez-le moi en commentaire et surtout abonnez-vous. Pour celle-ci, donc c'est un rouge un petit peu tonique. Si vous êtes mat ou très brun, apportez un petit peu de lumière à votre visage. Être une solution sympathique parce que tout noir ça peut faire très très sérieux ou très austère. Bon, là je vous montre le coloris. Aussi, si vous voulez dégager le visage, les lunettes comme celles-ci qui n'ont pas le bas, ça vous permet vraiment de vous redécouvrir. Donc voilà pour ces quelques modèles Oxybis français et marque française. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire. Pensez à vous abonner et surtout à mettre aussi un petit pouce si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt avec de nouvelles collections et d'autres conseils de votre opticienne Diane. À bientôt!